Bonjour tout le monde. Bon matin. On est dehors. Ça vient de nous prendre beaucoup de temps pour s'installer. Beaucoup de frustration, beaucoup de patience de ma part. Et maintenant, tout est correct. Le terrain est inégal. Puis Andréane aussi est inégale des fois. Fait que tu sais, ça fait que les choses, en tout cas. Bon matin. Chez nous, c'est calme. Puis là, on est dans un moment de l'année où il n'y a pas vraiment de moustiques. En fait, il n'y a pas de moustiques chez nous. C'est plus des petites mouches noires. Ouais, des petites maudites. Puis, c'est ça. On a dit, on va aller dehors. On va essayer de se voir. Ça va être le fun. Puis, on prend du soleil. Là, on a une casquette. Fait que nos beaux yeux sont cachés. Mes yeux à moi sont là. Comme ça. C'est parce que sinon, si on l'enlève, nos yeux vont être comme ça. C'est ça, on va faire comme ça de même. On est mieux d'avoir les yeux un peu cachés. Si on a le soleil à l'arrière de nous, ça fera pas une belle luminosité. Ouais. On sacrifie nos yeux pour la luminosité. C'est ça. Fait que, bonjour. Bonjour. Bon, début de vacances pour bien des gens. Je pense que le monde sont en vacances pas mal. Les vacances de la construction. Les vacances de la construction. Ouais, pour nous au Québec. Pour les gens, oui, qui sont en construction. Ouais, et accessoirement. Comme... Accessoirement? Ben dans le sens, mettons, comme toi, t'es comme dans la construction, mais pas tant, là. Mais il y en a qui vont prendre congé, tu sais, les conjoints et conjoints vont prendre congé en même temps que leur... Tu sais, c'est pas juste, le monde dans la construction, il y a aussi, tu sais, les architectes. Tu sais, tout le monde qui ont un lien avec la construction vont souvent prendre ces vacances-là parce que tout est off. Puis, ben, c'est ça, il y en a que ça va être comme... Ce que je veux dire indirectement, c'est qu'il n'y a pas juste... Il y a beaucoup de monde en vacances. C'est une grosse période de vacances. Bonne vacances si vous voulez. Je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais fait de recherche pourquoi les vacances de construction. Pourquoi il y en a. En fait, je trouve ça un peu niaiseux. Considérant qu'il y a pas mal juste le commercial qui continue l'hiver. Tu as aussi du résidentiel aussi qui continue l'hiver, mais il y en a beaucoup moins. Il y a beaucoup de monde ralenti, beaucoup de monde sur le chômage. Puis... Fait que tu veux dire que pourquoi il y a des vacances? Pourquoi être deux semaines comme obligatoire pour tout le monde? Là? Pourquoi les gens ne peuvent pas prendre les vacances quand ils veulent? Tout arrête en même temps, c'est un peu con, mais... Je sais pas. C'est peut-être pour que les chantiers continuent, parce que, tu sais, si, mettons, t'as une équipe de 8 gars, puis tu en as tout le temps deux en vacances, puis deux en vacances, puis là, tu ralentis tout pendant un mois ou un mois et demi, c'est peut-être pour ça, ça aurait du sens. Bon, en tout cas. Peut-être. Fait que, bon matin. Puis c'est ça. Montre-nous des affaires. Ah oui, déjà. Crime. Ben, je veux dire, quoi? Mais moi, tu parles, puis tu parles. Mais là, déjeuner... On n'a pas encore déjeuné. On n'a pas encore déjeuné. On a fait un shed. Je revirerais pour vous montrer le shed, mais... Ça va tout scraper. Ça vient de prendre beaucoup trop de temps, mettre ça. Mais si tu fais juste comme... Je sais pas, ça va pas chier le... On essaye, sinon on va le couper. Ah, et ben oui, on le voit. Je vais zoomer. Oh, on va pas... Tu peux zoomer dans ce sens-là? Je peux zoomer, mais je peux pas déplacer, là. Mais bon, on le voit un petit peu. Il est grand. C'est un grand shed. Mais bon, il a... dans le fond... Ça va être pour mettre du bois. C'est sûr qu'il y a encore une échelle. Dans le fond, il est comme 10 pieds en avant, puis 8 pieds en arrière. Fait que en arrière, je compte le cordé jusqu'au plafond. Puis ce que je vais faire, c'est que à partir de 7 pieds. 7 pieds. Hein. J'ai mis comme tout le tour des morceaux, puis je vais mettre du contreplaqué ou de l'OSB sur le top pour ranger du stock en hauteur, pour prendre avantage de ça. J'ai fait beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs. Pas tant, hein? Non, c'est pas vrai. En fait, réalistiquement, j'ai fait une erreur. Puis la seule erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas pensé, quand j'ai acheté mon aluminium. Pour faire le toit. Tu sais, moi, j'avais le plafond, le toit, il est 8 par 10. Fait que j'ai acheté des feuilles de 10 pieds de long par peu importe la largeur que ça avait. Puis je voulais économiser là-dessus parce que c'est 50$, une crise de feuille neuve de tôle de 10 pieds. Fait que j'ai fait le toit en fonction d'accueillir 3 feuilles au lieu de 4 feuilles. Mais ce que je savais pas, ce que j'ai pas pensé, c'est qu'il y a 10 pieds de long. Le 10 pieds de long, ça veut dire que, tu sais, habituellement, tu mets ton toit en aluminium pour que l'eau coule en suivant l'aluminium. Comme les lignes, là? Là, mon toit, il a fallu que je le pose à l'horizontale, ce qui est correct.
mais moins optimal. C'est pas ça que je voulais pantoute. Sauf que tu sais, il fallait que je paye pour qu'ils viennent le chercher et qu'ils m'en livrent d'autres. Fait que. On l'a posé même. C'est ça. Il y a juste une affaire qui me gosse, par exemple, parce qu'il n'est pas 100% d'équerre le toit. Fait que va falloir que j'arrange ça. Là, c'est pas grand chose, mais tu sais, quand tu choisis pas ton bois, quand tu le fais venir de chez Canac, c'est un peu ça le problème. C'est du bois. C'est des gars qui font tes palettes puis ils s'en foutent un peu. Là, fait que j'ai du bois qui est ordinaire. Puis qui manque un peu des. C'est pas des morceaux de bois. Ça fait que j'ai posé des lattes de bois sur le dessus qui, des fois, dépassent un petit peu. En tout cas, c'est pas... Moi, je trouve ça super. Ouais, je suis sévère sur moi-même. T'es un peu critique, là. Ça a quand même été une job à moi, parce que je l'aide un petit peu, à monter, vu que c'est haut, là. C'est 10 pieds, c'est plus haut que je pensais. Ben, pour faire flipper ça puis l'amener droit, en tout cas, ça nous a demandé beaucoup de réflexion. C'est parce qu'il est en 4x4. Fait que c'est pesant. Mm-hmm. Puis vu qu'il est haut, puis que c'est pas des murs, il n'y a pas de plancher. T'sais, habituellement, tu vas faire ton plancher, tu vas monter ton plancher, puis tu vas le clouer en bas, fait qu'il est comme semi-stable, on va dire. Puis tu peux le faire tenir, en tout cas. Là, c'était pas possible. Il y avait juste deux poteaux. Puis, finalement, il a fallu, parce que c'est pesant aussi, fait qu'il a fallu comme qu'on le traîne là, une fois qu'il était fait, qu'on le traîne là, qu'on le mette approximativement à bonne place pour que quand on le monte, toc, il tombe dans les blocs. Mais il a fallu que... Ça prenait quand même un gros bras de levier, là. Ouais, puis il a fallu qu'on prémonte le mur arrière, dessus. Tu sais, il était comme... Ah, en tout cas, c'était un peu... après à ça, ne pas j'ai... faire à la maison. Après ça, j'ai pris un 4x4, puis je l'ai poussé. Puis là, moi, pendant ce temps-là, j'essayais d'aligner dans pied d'éléphant. Quand elle a tombé. Quand ça a tombé, j'ai crié. Ouais, parce que je pensais qu'il avait tombé de l'autre bord. C'est aussi trop pesant, fait que ça pouvait pas le retenir. C'est trop haut. À un moment donné, une fois que tu pognes le bon angle, ça fait comme paf! Ça s'est placé direct c'était à bonne place. Mais ça a été quand même satisfaisant. Ouais, ouais. C'était parfait, là. Tout était à niveau, c'était excellent, mais ouais. Puis là, de ce shed-là, on va partir de cette structure-là pour faire la cage à poules. Ouais. On s'est dit parce que. Notre terrain n'est pas égal, je vais vous le remontrer. On voit qu'on ne le voit pas très bien, mais on voit que ça va en montant. Là, on est vraiment plus bas, là, mais c'est comme ça partout, là, ça monte. C'est rocheux. Tout est bas. C'est rocheux chez nous. Ouais. D'après moi, il y a du dynamité et il a dû enterrer ses roches. Ouais, parce que quand on a juste creusé pour le shed, il y avait full de roches. Ouais, il y a des roches pas mal. Fait qu'on s'est dit que ce qui pourrait être cool, ce serait justement de repartir du shed exactement à la hauteur. Je vais vous le remontrer, ça va être à la hauteur là, qu'on voit. Les petits points, ils verront pas. Là. Non, je sais. Mais qu'on voit, ben, tu sais, là, comme là, il y a mon doigt. Il y a comme ici, là, tu sais, ce morceau de bois-là, là. Ben, à gauche, on va repartir de tir. On va partir vers la gauche. On va leur faire un petit espace extérieur d'à peu près. 6 pieds par 6 pieds. Non, on a dit 8 finalement. Ou c'est ça, 8 pieds par 6 pieds, dépendamment de comment on enligne la construction. Puis après ça, on va partir en A. Ouais, fait que puis, ça va être un demi-A. Le A va être interne, puis le toit, ça va être un toit végétal. Ouais, puis le plancher va avoir 10 pieds. Fait que ça va être un 10 pieds par 8 pieds de haut. Puis ils vont avoir, tu sais, ils n'auront pas exactement. Puis la profondeur, ça va être à peu près, c'est ça, 6 pieds. 6 pieds et quelques, là, il faudra vérifier encore les vraies mesures, là. Mais tu sais, il va avoir un bon espace, puis on a-tu dit que le toit... J'ai dit que le toit était végétal? Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, on va mettre... pour ceux que ça intéresse. Hein. Sinon, on va skipper la prochaine section. Ouais, on va mettre, de la membrane imperméable. Puis je vais regarder à des places, là, où est-ce qu'ils vendent du caoutchouc, carrément juste comme du caoutchouc, là. C'est ça qu'on met sur le toit? Non. C'est juste un rouleau de caoutchouc, de lanière de caoutchouc. Là, ouais. Puis on va taquer ça partout sur les toits. Puis on va mettre de la terre. Puis on va semer peut-être des affaires. On va semer quelque chose qui vont pouvoir aussi les chats vont pouvoir grimper dessus quand on les sort. Ouais, ça va être le fun. Puis les poules aussi. Puis je vais pouvoir accéder au deuxième étage de mon shed par là. Je vais pouvoir monter sur le toit végétal puis aller chercher du stock en haut ou ranger du stock en haut des fois si c'est trop haut ou si c'est trop pesant.
Puis l'autre affaire, c'est que en façade, fait qu'en avant du shed à poule, on va dire, là, ben je vais prendre la même membrane de plastique, de caoutchouc puis d'imperméable que je vais adosser partout sur l'OSB, sur le mur. Là-dessus, je vais faire des bacs. Fait que je vais mettre des 2x6 ou des 2x8, je vais regarder ce qui me reste. Là. Puis je vais les mettre sur le champ comme ça. Puis entre les deux, je vais mettre un autre morceau incliné comme ça. T'sais, je vais faire comme un bac comme adossé dessus. Tu sais, comme les trucs pour ranger les souliers. Hein? Ouais. Tu sais, là, derrière une porte, là. Fait qu'ils vont être comme en angle comme ça. Fait qu'on va pouvoir mettre de la terre puis faire pousser des herbes. Herbes puis... De la salade. Fait que finalement, notre cage à poules va être vraiment... Elle va être comme intégrée dans le bois. On va comme la perdre un peu. Ouais, c'est ça. C'est comme ça le but. Mm. Puis le 8 pieds d'espace extérieur est fait pour que nous, on rentre. Puis après ça, en virant, la porte va être en avant puis ça va être complètement ouvert. Fait que le devant, la devanture de la cage à poules... Elle va tout grillager. Ah, on va mettre un grillage à grandeur, mais il n'y aura pas de... Ça va être ouvert à l'année, même l'hiver. Ouais. C'est ce qu'on a compris que pour garder les poules au chaud... Ben, au chaud. Pour que les poules passent l'hiver, c'est pas nécessairement que la... Même, je pense que quelqu'un nous l'avait dit en commentaire, là, au début, on pensait isoler puis tout ça, mais c'est pas ça que ça prend. Il faut qu'il y ait de l'aération. Puis il faut qu'il soit bien orienté. Fait qu'il faut pas que... Puis nous, dans notre cours, il n'y a pas vraiment de courant d'air parce que à cause... Ben, vous avez vu, là, il y a plusieurs arbres. Fait qu'à cause de la forêt tout le tour, à la hauteur de nous, on n'a pas vraiment de vent. Fait qu'ils vont être à l'abri du vent. Puis ils vont être orientés correct pour pas que... Ben, mettons qu'il y aurait des tempêtes de neige, tout ça, ça devrait pas rentrer dans l'intérieur. Il est orienté au sud, dans le fond. Puis habituellement, les vents arrivent du nord. Fait qu'elle va se faire ensevelir de neige. Mais il n'y aura jamais vraiment de vent, comme elle dit, qui va passer par là. Surtout que le devant, plus, ça va être le shed à bois. Ouais. Fait que, tu sais, le shed à bois va empêcher l'air de rentrer. Mm-hmm. Les deux vont comme s'aider aussi. Hein, ça va empêcher que la neige s'accumule sur le bois, mais aussi que le froid rentre dans la cage. Puis là, c'est la seule chose qui nous reste à figurer, parce qu'on n'aura pas d'électricité. On est peut-être presque réussi, là. C'est comment faire pour que leur eau gèle moins rapidement. Parce que là, ce que je comprends, c'est que l'eau va geler. Ouais. Mais il faut essayer de retarder le processus. Fait que là, on réfléchit à ça. Si jamais vous avez des idées, à part... Parce que la plupart des choses qu'on voit, c'est des... tu sais, comme pour faire réchauffer une tasse, là, un truc chauffant, mais ça prend de l'électricité. Puis nous, on veut pas... On est trop loin de chez nous, la maison pour qu'on puisse prendre une rallonge puis la rendre jusque là-bas. Fait qu'il faut essayer de trouver quelque chose d'autonome. Ouais. C'est comme notre dernier... Il y a quelques affaires que, en tout cas, moi, que je veux éviter. Je veux éviter le plastique le plus possible parce que, en tout cas, je veux pas qu'il... Le plastique, c'est pas bien. Bon. Fait que j'essaie d'éviter le plastique le plus possible. Puis on a vu qu'il y avait des bols en caoutchouc. Souvent, ça a l'air d'être ça qui est le plus... Dans le fond, vu que c'est mou, facile à vider si ça gèle. Puis aussi... il est noir, souvent ils sont noirs, fait que ça attire le soleil, ça fait comme une nasse thermique. Ouais. Là. J'aime toujours pas ça quand même du caoutchouc, dans le sens que c'est fait avec toutes sortes d'ingrédients néfastes. Mm-hmm. Fait que tu sais, je sais pas à quel point qu'est-ce qui leach, qu'est-ce qui va se ramasser dans l'eau, qu'ils vont boire, qu'ils vont pondre, puis que je vais manger. Ouais, faudrait checker s'il y a des grades. Tu sais, c'est ça, regardez voir s'il y a des, comme elle dit. Mais parce qu'en même temps, un des vidéos qu'on a écouté, le gars il parlait genre de trucs bio, fait que je me dis sûrement qu'il y a pensé ou peut-être pas. Lui, dans un bol chauffant, à chien. Ah, ça, c'est un bol chauffant? Ah. Je pensais que c'est l'autre vidéo où on voyait qu'il parlait du rubber truc. Là. Non. Ok, je me suis trompé. Fait que c'est ça les projets. C'est ça les projets. C'est pas trop long à construire. Le plus long, c'est l'implantation, de dire OK, ça va être là, ça va être là. Puis on a changé d'idée quand même une couple de fois aussi. Là. Fait que c'est de assumer l'idée de finale puis de la commencer. Là. Mais en même temps, tu sais, moi, j'ai mis beaucoup de pression à Alex parce que j'ai hâte d'avoir des poules, mais je pense que ça a été correct qu'on attende et que ça soit pas aussi pressant parce que les idées qu'on avait au départ, ben, on les a modifiées. Puis je pense que là, ça va être le plus optimal possible pour avoir et un espace extérieur pour les poules. Parce qu'on se disait, de toute façon, nous, on va toujours les sortir, tu sais, mais on n'est pas toujours là à pouvoir les sortir dans la cour. Puis en même temps, il y a. Fait que d'avoir un espace clôturé, même si c'est juste, ben, juste quand même 6x8, c'est quand même gros, là. Ouais, ils ont quand même de l'espace. C'est pas si gros, mais ça va être l'espace qu'ils vont en voir en tout temps. Fait que, dans le fond, la porte, le grillage... Parce qu'on va grillager tout le tour jusqu'en haut
pour éviter, tu sais, parce que là, on veut pas qu'il y ait des renards, des visons, des n'importe qui rentre puis qui viennent chercher nos poules. Fait qu'on va essayer de le grillager le plus possible. Fait que normalement, on serait capable de laisser la porte ouverte aussi, puis pas avoir peur qu'on se fasse manger nos poules. Si jamais ça arrive, ben là, on trouvera une solution pour fermer la porte intérieure, là. Mais je pense qu'on devrait être bien safe, là. Ouais, probablement. À suivre. Parlant de poules. En attendant, mais j'en ai tricoté une. Je pense que je vous avais montré le début la dernière fois. C'est clair? Ouais, moi je l'ai vu, je la regarde depuis tantôt. Elle me regarde, puis tout. Je sais pas pourquoi ils appellent ça un support émotionnel, tu sais. Ça reste un toutou, là. Coller une poule? Peut-être mieux de pas embarquer là-dedans. C'est ça? T'as-tu un support émotionnel, ouais, dans le fond? Mais ça va mieux. Ah, ben oui, toi. Mm-hmm. Ben oui. Écrase pas toute sa forme, là. J'ai eu de la misère à la fourrer. À la fourrer. À la fourrer, à la rembourrer. Puis, c'est j'avais ça. Pas d'idée pour son nom. Parce qu'on ne veut pas lui donner un de nos noms de nos futures poules non plus, là. Fait que j'ai demandé sur Facebook des idées, puis là, j'ai trouvé ça drôle. Fait qu'elle va s'appeler Dinde. Parce que Art Brunel m'a suggéré Dinde, puis je trouvais ça bien drôle. Fait qu'elle s'appelle Dinde la poule. Ouais. C'est une bonne idée. Fait que le nom du patron, c'était Emotional Support Chicken. J'ai pris des restants de... Moi, j'ai pris des restants de Ikea. Je pense qu'elle est suggérée à faire en worsted. J'ai pris ce que j'avais. Un gris émo. Puis, c'est ça. Ça n'a pas été long à faire. C'est qu'il y a beaucoup de wrap and turn, là. C'est quasiment juste de ça, là. C'est du point mousse. Puis sinon, mais après ça, c'était comme de coudre, là. Faut y coudre là-dessous, ici, puis tout, puis jusque-là. En arrière aussi, cousu sur le top. Cousu sur le top. Mais sinon, après ça, c'est quand même... C'est des morceaux, dans le fond. Mais non, c'est comme deux morceaux. Après ça, tu le couds sur le top, puis après ça, Tu y vas, c'est plus un morceau, puis un autre ici. Mm-hmm. Puis là, je vais sûrement... Peut-être pas tout de suite, là, mais je pourrais en faire une plus petite avec la fingering, une plus grosse avec la worsted, fait que... Tu joues avec la grosseur de la poule, avec la grosseur de l'aile. Il y a une éclipse. Madame Dinde. Ouais, c'est vrai. C'est bien, on voit vraiment mieux comme on ça. On voit donc bien. C'est que ça ne nous prenait pas de soleil. Et que je dépose Madame Dinde. T'avais-tu quelque chose que tu... Non, ben, t'as pas beaucoup moi. De choses à montrer. Je vais attendre. Oh non, avec le soleil est revenu. C'est-tu grave? Mais on voit mieux bien. Mieux bien, naturellement. Ah, c'est la face, ouais, c'est ça. Mais de toute façon, il va être tout le temps notre face. Ouais, c'est vrai. Je vais aller nous voir. Je commence à avoir chaud, par exemple. Ouais. Quand on est sorti un matin, il faisait frette, là. Ah oui, il m'a dit, il fait froid, faut se mettre un gel de l'herbe. J'aurais pas dû l'écouter. Ouais. Vu qu'on n'est pas dans notre setup normal, je suis comme un peu perdue. Je sais pas quoi montrer. Je vais parler de ce que je porte. C'est épouvantable. Je pense que je l'ai jamais montré. T'as jamais porté, non? Ben, pas pour le podcast, je pense. Puis moi, je porte quoi? Ben, t'as peur, on parle de moi. C'est ça? Toi, non, c'est pas la même chose. Fait que c'est un cardigan symbiose. On parle de moi en premier. cardigan symbiose de Marie-Christine Lévesque que j'avais tricoté, ça fait une couple d'années, avec la laine de Progelaine, couleur... Progelaine? C'est qui, ouais. Progelaine? C'est un gars qui teint, qui s'appelle Progelaine. Ah. Oh. Frédéric, je pense. Jamais entendu. Puis, je me souviens plus, quelque chose d'automne, horreur d'automne, quelque chose. Fait que je veux pas me lever parce que sinon c'est sûr que je brise quelque chose. Et je l'aime beaucoup ce cardigan-là. Hein? Il est je pense en déca. C'est parfait, là j'ai chaud. C'est ton projet, tu dis? Non, c'est Marie-Christine Lévesque. Ok, Marie-Christine Lévesque, ouais. Peux-tu l'enlever, tu penses? C'est un tout à faire. Ben oui, t'es capable. Je suis sûr que t'es capable. Ok, je vais le garder, j'ai peur de faire ma merde. T'es épouvantable. J'ai peur de tout à matin, putain, à barouette. Ok, je vais l'enlever. Dites Didier qui est pour avoir peur de tout. J'ai peur de pogner un coup de soleil aussi. Peur de ça, je veux pas faire ça. Je suis pas dans mes affaires. Comme ça. Tu peux-tu le mettre là, non? Je sais pas. C'était peur, hein? Ouais, bon. Puis toi, ben qu'est-ce que tu portes? Je sais pas ce que je porte. Non. C'est toi qui me l'as fait, mais ouais. Je me souviens pas là. C'est un cardigan, puis t'en as fait un pour toi, je pense. Puis là, j'ai dit moi aussi. Ou t'as dit je vais t'en faire un. Ouais. Puis ben, il y a des boutons. C'est le cardigan cœur de maille. Ah, c'est le cardigan cœur de maille. J'avais fait en collaboration avec cœur de maille. Tu des cœurs? Non, c'est juste... Des mailles. Des mailles, c'est ça. Il y a beaucoup de mailles. Oui. Et si on les voit, c'est les mailles qu'il y a.
c'est fait en worsted. Oui. Puis toi, c'est de la Netflix Wool of the Indies couleur papaye. Papaye? 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 Papaye. 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 C'est ça. Mais c'est ça, j'ai le pas. Quand même, souvent, il y avait des petites modifications hein, qui avaient été faites pour qu'il soit un peu plus monsieur. J'avais fait le premier bouton plus haut. Ah. Étais-tu moins V, peut-être? Ben, dans le fond, non. Ah. J'ai juste fait le premier bouton. Dans le fond, le premier bouton, je pense qu'il va normalement... Là, il commence plus haut. Je l'ai mis plus haut pour que tu le fermes. Puis, je pense que dans ma version, moi, les manches, c'est des manches, je veux dire, bouffantes. C'est comme ça, sans diminution. Ah, fait que toi, je t'ai fait des diminutions pour qu'elles soient plus ajustées. Plus ajustées. Ouais. Nice. Nice. J'étais à veille de finir mon gilet aussi, parce qu'éventuellement, je vais avoir un gilet... Un autre gilet à montrer qui va être le mien. Sinon, ben, je vais vous montrer ce que je tricote. Parce qu'Alex, c'est juste un affaire. Okay. Moi qui parle. Je pense pas que... Ah, j'ai pas mis mon bloqueur. Comment c'est arrivé? Ça m'a tombé sa casquette. Ah oui? Ben, il y en a un. Il y a comme... Ben, je pense. Il va falloir qu'on fasse un replay. On va faire un replay. je pensais que j'avais commencé la dernière fois qu'on a filmé. C'est des bas... ben, c'est des bas. J'en ai une finie. C'est la laine de Aria 51. Peux-tu l'approcher plus? Oui. Puis c'était une laine qui avait été faite pour Christmas in July. Fait que c'est pour ça, je pense que je l'avais pas commencé parce que je l'ai commencé en juillet. Puis c'était une laine de Kalinours. C'est un genre Care Bear Christmas ou quelque chose de même. Là. Fait que c'est supposé être Kalinours. Alex trouve pas que ça fait tant Kalinours. Puis que ça fait. Mais ça fait pas Noël, ça c'est sûr. Absolument pas. Mais ça fait Kalinours. Puis mais fait que là, c'est pour ça que j'ai mon. Ça peut faire Kalinours si on le désire. Mon petit Kalinours ici, là. Mon petit marqueur Kalinours. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est les premières paires de bas de Noël de juillet que je fais. Puis... C'est Christmas in July. Ouais, parce qu'on est en July. Ouais. Mais je comprends pas encore pourquoi Christmas, on fait un Christmas in July. C'est à moitié de l'année. Mais non, c'est 6 mois. C'est ça qui arrive. C'est 7 mois. C'est 7. Mm. Théoriquement, la moitié d'avant Noël, c'est juin, tu sais. Mais je sais que c'est à cause... En France, on dit Noël des campeurs. Fait que ça doit être à cause des vacances que ça a commencé. Ben, c'est à savoir, est-ce que c'est le Noël des campeurs ou c'est le Christmas in July? Je pense que c'est le Christmas in July, mais je veux dire, souvent, c'est l'été, les vacances, le monde sont... C'est parce qu'il y a du drôle de monde qui invente des drôles d'affaires. Ben, si vous savez la raison, j'ai pas checké, mais tout le monde tricote des trucs de Noël en juillet, fait que je sais plus c'est quoi la raison, mais en tout cas... Souvent, c'est juste que quelqu'un de populaire qui a décidé que lui, c'était Christmas in July, puis... Mais ça fait longtemps que ça existe. En tout cas, ben, c'est mon premier, du premier parce que j'en ai un autre qui est ici. Que je vais vous montrer aussi, c'est aussi Area 51. Je ne sais pas trop mettre de poêle. Puis celle-là. T'as pas, encore là. Ce sera pas long. Celle-là, c'était 12 days of Christmas in July. Fait qu'il y avait 12 mini de 4 ans chaque. Là, de... Je l'approche. Non, mais tu sais, des 4 couleurs de rayures. Je l'approche. Fait que là, j'ai fait des très, 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 très longs bas. Tu peux l'approcher. Na 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 na. Vas-y, pendant que. Na 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 na. La 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 la. Non, je te la 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 la. Fait qu'il y a des couleurs qui font Noël, puis d'autres un peu moins. Christmas, Christmas, Christmas in July. Mais je pense que là, ceux-là, ça fait quand même Noël, là. Avec les. Tu sais, il y en a qui font moins Noël comme les fluos ici, là. Mais ça fait plus Noël déjà. Dans le fond, il y avait comme 12 images d'inspiration de films de Noël, fait qu'il y en a qui sont moins Christmassy. Mm. Fait que là, c'est le premier film. Y avait-tu Die Hard? Non. Ouais. Classique film de Noël. Mais non, il l'avait pas. Puis, ouais, c'est quand même un gros débat, ça. Hein? Die Hard? Ouais. Ça se passe à Noël. Que le monde dise que c'est un film de Noël ou pas. Moi, je pense que c'est un film de Noël. C'est un film de Noël. Ouais. C'est, ouais. C'est mais comme, je pense qu'il y en a qui sont vraiment choqués de dire que c'est un film de Noël. Pourquoi? Les Die Hard fans? L'inverse. T'as pas une non? Être un Die Hard fan de Die Hard? Ah, ok. T'as pas une fait que le deuxième, j'ai utilisé les mêmes contrastantes. T'sais, j'ai gardé le pied, le bout de pied vert, le talon blanc, puis les côtes vont être rouges. Mais j'ai pigé un autre ordre. Fait que. Fait qu'ils sont pas. Ouais, c'est ça. Ils sont pas à la même place. Ouais. Fait que ça va être des pareils, pas pareils, puis. Mais en fait, j'ai pigé, j'ai demandé à Alex de piger. Des fois, il fallait qu'il repige parce que là, je voulais pas avoir deux rouges, tu sais, deux
finir avec un rouge, commencer avec un autre. Fait que c'était pas vraiment au hasard. C'était presque au hasard. Oui, c'était au hasard. Puis là, il me reste deux rayures, je pense, puis après ça, je fais les comptes, puis j'ai fini. J'aurais voulu le finir pour vous le montrer au complet, mais hier, ben, j'ai pas réussi. J'ai arrêté. Ah oui. Hier, on était fatigués. On était fatigués. Pourquoi, hein? Parce que ça fait plusieurs jours qu'on est fatigués. Mais on n'a pas travaillé bien dehors hier. Un petit peu, on a coupé de la végétation. Je vois ça plate un peu, mais on a préparé le terrain pour le truc. Pour la cage à poules. Mais ouais. Ça fait qu'on déloge les framboisiers. Mais les framboises, ça pousse comme de la mauvaise herbe. Fait que ça va être correct. Ils vont repousser. Ça fait ça, c'est comme quand j'ai déplacé les roches. Quand j'avais creusé le trou pour le shed, j'avais beaucoup de roches, là, tu sais, comme beaucoup de roches. Je les avais toutes mises à côté. Puis là, ben, je les avais pas déplacées. Puis là, le gazon était rendu full haut à côté. Fait que là, je les ai enlevées. Puis il y avait plein d'insectes en dessous. Puis je me sentais mal. Il y avait des grenouilles. Ben là, non. Non, on l'a vu après la grenouille. Quand j'ai délogé, j'ai pas vu de grenouille. Mais c'est ça. Il y avait plein d'insectes. Là, je me disais, j'ai dû déloger genre 50 insectes. Il y avait une araignée. J'ai eu des araignées. Il y avait une araignée avec des œufs. Avec comme un sac d'œufs. J'avais jamais vu ça. Elle l'a-tu transporté pour s'en aller ailleurs? Oui. Oui, elle est allée dans le shed. Parce que plus tard, quand on a mis le chat dans le shed, je suis monté en haut dans l'escalier, puis j'ai vu dans le coin comme une espèce d'affaire blanche. Je me disais, c'est quoi cette affaire-là? Puis plus tard, je suis allé checker, puis c'était. C'est la même? Semblait être la même araignée. Shit. Avec son sac de. Son sac de? C'était bizarre. C'était pas dans le. C'était comme sur l'abdomen qu'il y avait un sac à se promener avec ça, elle trimballait ça. Ah, ouais. Ouais. Fait que même si il y a des bébites qu'on aime pas, on aime quand même. On n'aime pas ça comme il y avait des les tuer, il y avait les déloger. Fait que, même chose pour la végétation, là, on est comme entouré de bois, fait que ça nous fait tout ça plate. À part l'arbre à piquant. On a un arbre, je sais pas comment ça s'appelle, là, mais il y a des piquants, là, genre longs de même. Ça fait des beaux fruits, des belles fleurs. Mais... Ça s'appelle un hawthorn. Ah, c'est ça? Ah, okay. En anglais, mais en français, je ne sais pas c'est quoi. Puis, et puis ça se reproduit, genre... Ça n'arrête plus. Ça n'arrête pas. On a coupé un... dans le fond du terrain de ce côté-là, parce qu'il envahissait, il commençait à envahir mon jardin. Puis, même si on a comme quasiment tout coupé, il repousse. Il repousse tout le temps. Ouais, il faudrait vraiment arracher les racines puis tout, parce qu'il pousse même. Là, tu y laisses un petit tronc, là, puis il en pousse. Moi, ce que je te coupe. Ah, vas-y. Mais quand tu l'arraches, puis quand t'en coupes, t'as l'impression que tu te fais griffer, là. Ça me semble, l'année passée, t'avais full saigné en enlevant ça. Ben même oui. C'est d'habiller en long, puis tout, parce que c'est vraiment des... C'est des méga des grosses, longues épines. Vraiment, là. Dur. Là. C'est ils sont ça. Ils doivent être à peu près ça de longue. Un 2 pouces d'aiguille. Des fois, les chats, ils décident qu'ils partent à la course dans le bois à cette place-là. Là. Puis là, il faut qu'on essaie de pogner les chats dans l'arbre à piquant. Ouais, puis là, tu fais le tour ailleurs. Ils bon. Savent, les maudits. Ouais. Fait que je sais pas pourquoi on parlait de. Ben, parce que. On a coupé des. Ah, ouais, on disait qu'on était fatigués. Ah, la fatigue, on s'en allait où je sais pas pourquoi. Ben moi, je sais pourquoi. Je me suis couché tard souvent, puis j'ai pas full récupéré. Moi, je travaille beaucoup ce mois-ci. T'as travaillé beaucoup, fait que... Gros mois de juillet. Ouais. Veux-tu montrer qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Ce que t'as dans ton sac? Tu l'as sur toi, fait que tu peux montrer ce projet-là. Ben, on l'a montré souvent. On commençait par montrer le sac. C'est un sac gaillé en tweed. Il est beau, ce sac-là. Ouais, c'est... Ben, en fait, je vais essayer, je vais attendre que... Ça, c'est Harris Tweed. Non, mais ça, c'est la sorte de tweed. Ah. C'est... Miss Niche. M-I-S-N-E-A-C-H. Mais ça, je pense qu'elle a pris une petite pause de sac. Elle était un peu victime de sa popularité, je pense, à Net City, il y a une couple d'années. Puis là, en tout cas, je ne l'ai pas vu passer récemment sur les réseaux sociaux. Victime de sa popularité, fait qu'elle a arrêté? Ben, elle a peut-être fait un... Je ne sais pas si elle a fait un burn-out ou je ne sais pas quoi, là. La production... elle a pris une pause de production pour l'instant. Je ne pourrais pas te répondre. Ah. Je ne me souviens plus ce qu'elle avait dit, là. Mais tu sais, c'est bizarre. C'est comme, tu sais, l'histoire, là. Tu te souviens-tu le vieux jeu, là, sur téléphone cellulaire qui s'appelait Flappy Bird? Tu sais, c'était juste un oiseau, puis tu faisais juste mettre ton doigt dans l'écran, puis à chaque fois que tu mettais ton doigt, il montait ou il descendait. Non, fait que tu passes entre des tuyaux. Le seul jeu vieux de cellulaire que je me souviens avant Angry Birds, c'était le Snake. Ouais. J'ai pas joué à d'autres choses. Ça. En tout cas, ça a tellement pogné que un moment donné, le gars, il disait que c'était trop too much, puis il a arrêté. Il l'a juste retiré du shop, tu sais. Ouais, ben, je pense que c'est peut-être juste qu'elle était seule là-dedans, elle produisait beaucoup, puis là, ben, elle a peut-être.
Je vais dire burn-out, mais je ne sais pas. Là. Fait que, tu vois, fait... Je ne veux pas la juger. Non, c'est ça. Ça fait peut-être un an que j'ai pas vu ses affaires, mais vraiment, c'est un sac qui vaut la peine, là, la qualité, tout ça. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis souvent, quand que je l'utilise des fois comme... ça n'a pas rapport. Je l'utilise comme... je l'utilise comme sacoche des fois. Ça, je m'en souviens. La couleur, c'est rose cocktail. Non, c'est la compagnie. Mais elle existe. Ah, mais ça, j'allais dire, elle n'existe plus, parce que je m'en souviens, regarde. Juste comme ça. Je pense qu'il n'y a pas de nom de couleur. Hop, rose cocktail. En tout cas, c'est ça qu'elle prend. Il n'y a pas de nom de couleur. Non, moi, j'ai décidé qu'il s'appelait Gumballoon. C'est la base, la mixologie. Il n'y a pas de nom de couleur. Puis là, ben. OK. Ouais. Mérino nylon. 80 Mérino, ouais, 20% nylon. C'est l'anabol. 420 verges. Ouais. 115 grammes. Ouais, je vais m'en rester. 384. J'ai pas peur d'en manquer pour celle-là. Ben, j'ai fini de manger. Dans le fond, la dernière fois, je l'ai montré. Si chaud, oui, là. Oui. Je vais te déshabiller. Je vais me déshabiller un petit peu. Ouais. Finalement, j'aurais pas dû t'écouter. Mais quand on est sorti dehors un matin, c'était frais, là. Ouais, on était bien. Mais là. Température parfaite. Mais là, il est rendu 10h20. Ah oui, déjà. Fait que, ouais. Ça a pris quasiment une demi-heure à s'installer. Ah, c'est ça. En fait, je vais montrer. Ouais, il me reste. Hey, c'était à moi de montrer ce que tu avais dedans. Je vais juste dire qu'il va me rester de la laine. Il me reste tout ça. Je pense qu'il me reste 80 grammes. Puis il me reste juste une manche à faire, puis le col. Fait que finalement, avec 3 échevaux, j'en ai en masse. Oui. Puis c'est sûr que le gauge du chandail, il est plus lousse. Tu sais, ça prend, je pense que ça se tricote avec des 4 mm. Fait que c'est un petit peu plus... quoi? Déjaugé. Déjaugé? Oui, je pense que c'est ça qu'ils disent en français. Pour dire quoi? Pour dire qu'on voit un peu au travers. Tu sais, que les mailles ne sont pas si serrées. Tu sais, c'est pas un. C'est l'échantillon. Peut pas dire slack. Moi, j'ai dit lousse, là, mais. Ouais, ça peut être slack. Slack, lousse. C'est le Hilos. Ouais, tu sais, montrez. C'est le Hilos sweater par Souche. Tête bêche. Ça, c'est le devant ou derrière? Ça, c'est derrière. Oui, mais ils sont pareils. Non, il y a comme des rares raccourcis ici. Ah, il y a des rares raccourcis qu'on a tout de suite vus. Tu as fait un éclipse? Immédiatement. Puis ça, c'est le devant, qui est pareil comme l'arrière, mais pas de rang raccourci. C'est ça. Ça, c'est les manches, pas finies. On peut voir qu'ils ne sont pas terminés. Ils roulent un peu, mais elle est faite. Oui. Et que si on l'étire, on se rend compte qu'il y a un marqueur de maille juste ici qui démontre qu'il y a quelque chose qui a été fait. Puis la manche, elle est terminée. Oui. Il y a des petites affaires ici là, qu'on voit, là. Une texture d'affaires. C'est des côtes, mais genre décalées. Je trouve ça beau comme fini. Ouais, il y a la même chose ici, dans le bas. Ouais. Puis... Puis, la torsade. Sur le côté, il y a une torsade. Andréane est fan de torsade. Mais maintenant, je suis rendue bonne. Elle aime beaucoup ça. Ça la fait pas peur. Il y a des choses qui lui font peur, mais pas ça. Vu que ça, c'est comme une torsade là, qui va jusqu'en bas. Oui. Pour montrer ta personnalité tordue. Puis là, il me reste une manche à faire. Il reste une manche. Orlane Souche. Je pensais que j'aurais fini pour là, mais Hilos sweater. J'ai fait autre chose. On en parle depuis longtemps du Hilos sweater. Je sais, je l'ai commencé. Je pense que je l'ai commencé en septembre passé. Je l'ai mis sur. Tu sais, j'ai commencé. Ah oui. Je sais que je le tricotais à. Ouais, j'allais dire, il me semble que depuis le début, je fais toujours ça, réécrire. Ouais. Ben, en fait, au Festival de la Petite Laine, l'année passée, je l'avais amené comme pour tricoter le soir. Fait que je l'avais déjà commencé en octobre. Je devais être rendu au corps. Fait que j'ai dû commencer en septembre ou en août. Fait qu'idéalement, j'aimerais. Je m'en allais ajuster mes lunettes. T'as pas tes lunettes? J'ai pris mes doigts, j'ai fait ça comme ça. Je m'en allais ajuster mes lunettes. Continue. Bon. Désolé. C'est quand même pareil que t'as bien fait de prendre la pause. Parce que ça me piquait un peu. Puis t'es écoutée de toi par le corbeau pendant que t'essayais d'ajuster tes lunettes. Fait que ouais, ça fait presque un an, mais je l'ai mis sur pause, je pense, à partir du mois de novembre, parce que là, j'avais les projets de Noël, puis comme plein d'affaires, fait que ça me tentait comme plus. Puis je l'ai repris, il y a peut-être deux podcasts que j'ai dit je veux le finir. Puis, fait que je vois. Ben, mais tu veux. Quand même, quand je l'ai repris. Ça fait pas mal d'affaires. Quand je l'ai repris, j'étais genre. À moitié du corps. Puis là, j'ai quand même tout fait le corps, toute une manche. Il va être fini au prochain. Je vous le garantis. Oh, c'est garanti. Parole de moi. Parole de moi. Je te félicite d'avance. Merci. Ah, ben oui. J'allais dire, tu peux le passer, mais. Ah, oui, parle-nous de ton chandail. Je vais faire ce que je veux. Mais c'est ce que je fais. Je vais vous parler de mon chandail. Parce qu'on est dans le rose. Dans le rose. Puis maudit que je suis chaud. Il est chaud. J'ai tellement chaud. Jamais dehors. Déjeuner. Je veux déjeuner. Oui, j'ai besoin de déjeuner. Il va falloir se laver avant de. avant de sortir. Sortir avec les chats. Ok, voici où est-ce qu'on est rendu dans le gilet. Ben, la dernière fois, c'est où le popsicle? Ouais, avant, on était popsicle.
Fait qu'on... Là, les manches ont été terminées. Ben, en tout cas, ça a été séparé. Oui. Puis là, on est rendu là, ici. Fait que la partie tough est finie. Oui. On a avancé plutôt rapidement pour cette section-là. Puis après ça, j'ai slacké parce que là, j'ai fait autre chose. Et il a fait d'habitude. À peu près un pouce et demi en dessous des bras. Oui, c'est ça. À peu près. Ouais. Fait qu'on peut voir un on peu plus. On l'a pas essayé encore, j'ai hâte que tu fasses un peu plus. On peut voir un peu plus de quoi ça va avoir l'air, là, ce genre de texture-là. Ça va être beau, mais ça va aussi être confortable très parce tôt. Que ça va être stretch. Ouais. Puis oui, je le porterai pas, mettons, là. Pas game. Parce que là, j'ai chaud. Mais, okay, mais c'est ouais. Ça, je suis quand même content. C'était déjà. C'est quoi déjà le sweater man? Lunge. Men, sweater man. T'as ton patron dans ton sac. Oh. Lunge, sweater man, je pense. Lunge, sweater man. Lunge, comme lunge. Ouais. Sweater man. Je pense que c'est ça. Ouais. De je sais plus qui. Je sais plus qui. Puis on en reparlera de ce qui. Mais la laine, gars, tu peux montrer. Je oh, c'est une pattern. Ouais, mais la couleur, puis tout. Ah, la couleur. Des fois, s'il y en a qui veulent la même chose que toi. Acrylico. Non, c'est pas ça que je sais. Je suis juste Hencho en Indien. Fuchsia tourmaline. Oui. Puis... Code 24-12-92. Non, mais ça c'est son lot. Parce que. 92-011. Parce que dans le fond, ça. Oui. C'est le lot, ça? En je tout cas. Je sais pas. Mais. Fuchsia tourmaline. Fait que c'est la Inspired de Patterns. C'est 70 acrylique 25 75 acrylique 25% à laine. Ouais. Puis un grosseur bulky. 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 C'est fun. Ouais. 5 abultado. Fait que c'est quand même une option rapport qualité-prix là. Moi je la trouve quand même belle, elle donne un beau rendu. Elle file pas trop acrylique quand tu la tricotes. Moi je ben t'es d'accord? C'est pas trop plastique. Non, elle est bien. Puis, vu qu'il y a un peu de laine, ben, ça respire quand même un peu quand tu le portes aussi. Oui. C'est la même laine que pour ton XY, puis il me semble que t'es correct dedans. Qu'est-ce wash tu and water. Ouais. Avec de l'eau. Et quand tu dis froid, chaud, et je dis eau? À délicat. OK. Je suis content de savoir que je peux la laver avec de l'eau, par exemple. Mm. Au début, je pensais... La bave? La bave. De l'huile. De l'huile. Du lait. Mmh, ouais. C'est un petit lait aux fraises. Un petit quick aux fraises. Un petit quick aux fraises. Puis, avec des chats. Des chats. C'est ça. C'est ça que j'ai fait. Fait que là, prochain puis, podcast, là. Oui. Ton défi. Finir le tronc. Ouais. Mmh. Okay. Ouais. Si j'ai pas aussi chaud, je vais le faire. Finir le tronc. Faut que j'en fasse à tous les jours, c'est ouais. Tout. Faut juste que je me dise, j'en fais à tous les jours. Genre, c'est au tout. Pire que tu fais comme deux répétitions. Comme quatre. Deux. Ouais, ça, si j'ai chaud, je l'ai un peu monté. Deux répétitions, parce que la répétition, le motif se fait sur deux rangs, puis toi, tu comptes ça comme un, normalement. Fait que si tu fais deux, t'as fait quatre, c'est ça? Oui. À chaque jour, quatre, c'est pas super. Facile. Puis je peux t'aider à alterner. Je peux continuer à t'aider. Ouais. Défi relevé. j'ai... Ouais, il m'en reste deux. Ouais, trois. On va montrer un autre paire de bas, puis après ça... Un nouveau caston. J'étais tannée de faire juste du tricoter à l'endroit. Là. C'est vrai que c'est juste ça que je fais. J'aime ça, mais des fois, c'est comme j'aimerais ça avoir un petit défi. Donc, j'ai commencé théoriquement ma dernière paire de bas pour Noël, pour ma soeur. Ben, pour moi, ma dernière soeur qui reste à tricoter. Fait que ça. Ah, oh. Oh, c'est pour mesurer. Parce qu'elle aussi a des grands pieds. Fait que ça va être pour ma soeur jumelle. On voit bien, là. On voit bien. Il y a ces couleurs-là. Fait que... Cette couleur-là, celle-là. Restant de laine à rayures de Fibrillia. Mm. Que j'en ai mis... Tu sais, j'ai mis une répétition. Fait que c'est ce motif-là. Puis je pense qu'il en reste 14. Fait que à une fois passé le talon, je vais faire un petit peu de la rose. Puis après ça, je vais faire les rayures. Puis un peu comme... J'en avais fait un autre dans le mauve là, pour mon autre sœur. Fait qu'ils vont avoir des bas qui vont se ressembler. Puis c'est de la laine... De maille en bas, je me souviens plus du nom de la couleur. Ça avait été de la laine que j'avais utilisée pour mes mitaines pas-up, mes mitaines up. De chat, de pattes de chat. D'ailleurs, puis, acheter le patron de pas-up, là, ça donne pas-up l'argent. Pas-up ou pas-on, si vous êtes des tricoteurs de bas ou de mitaines. Ça donne l'argent aux petits minous. Là. Oui, dans le fond. Je ne sais pas quel pourcentage tu donnes. La première fois, c'était tout. En fait, je pense que si ma mémoire est bonne pour les bas, je donnais 4 piastres par patron. Puis pour les mitaines, 2. J'avais comme... Patron est à combien? 6, puis...
OK. Ouais, fait que c'est quand même. Mais tu sais, quasiment la majorité. Tu sais, dans le fond. Plus la moitié. C'est presque l'entièreté de la, du profit. Parce que, tu sais, moi, j'ai des frais pour, sur Ravelry, j'ai des frais PayPal. Ah ouais, c'est vrai. Fait que, tu sais, finalement, c'est à peu près ça. Tu sais, j'en ai donné un petit peu moins pour les mi-termes, mais finalement, au bout du compte, souvent, je vais arrondir le montant. Fait que la première année que j'ai vendu des. Que j'ai fait juste les bas, j'avais fait. Tu sais, j'attends la fin de l'année, puis je fais un chèque par année. Là. Fait que la première année, j'avais vendu pour 300$. Ben, que j'avais donné 300$ de vos. En fait, on a donné ensemble 300$. Vous avez. Puis l'année passée, 150. Puis là, ben, j'espère dépasser ça cette année. Là. C'est sûr que souvent, quand tu sors un patron, ça m'en fait plus vendre. Mais c'est, à chaque fois que j'en vends, là, je le vois, puis je suis capable de savoir ce qu'il manque à donner, à verser. Puis souvent, je vais arrondir. Parce que, ben, on aime ça, les chiffres. Puis c'est ça, les profits vont à adoption chat sans-abri, ceux pour lesquels je fais du petit bénévolat là, depuis 5 mois. J'en vois les chats, je les flatte. Mais c'est pas juste ça. Là. Je nettoie le litière. Je nettoie leur litière, je leur donne la bouffe, puis je leur dis qu'ils sont beaux. Puis, ouais. Puis c'est ça. Ouais, ils sont contents. Fait que c'est cette là. Fait qu'à acheter donc le patron. Là. Ben oui. Donner de l'argent aux petits minous. Les petits chats. Les minous. C'est ça. Fait que ces bas-là, je les garde en. J'ai pas. Tu sais, souvent, j'essaie de faire mes bas dans le mois. Je pars une ou deux paires de bas au début du mois, puis j'essaie de le finir dans le mois parce que je peux l'entrer dans des cales, là, des netalons. Il y en a un des Grocery Girls qui font à chaque mois. Tu peux en. Si tu fais une paire de bas dans le mois, faut que tu le commences dans le mois puis tu le finisses dans le mois. Fait que j'essaie toujours d'en avoir un ou deux comme ça. Mais celui-là, la paire de bas pour ma soeur, c'est plus un. Quand j'ai fini mes bas puis que je veux pas en partir un autre. Comme là, mes deux bas de Noël, quand je vais les avoir finis, je vais sûrement les avoir finis 2-3 jours avant la fin du mois de juillet. Puis là, si je veux un patron de bas to go, je vais prendre celui-là. Comme ça, je vais attendre une pour commencer mes autres. C'est un peu ma tactique. Ouais. Fait que voilà. Voilà pour les bas. Puis. Je voulais dire quelque chose aussi. Tu sais, le tricot, là, le chandail que je suis en train de faire. Et la dernière fois, je pense, dans le podcast, on disait que ça me faisait un peu peur à cause du Mekwan? Non, à cause du... Ouais. Knit as they appear. As they appear. Tu sais, comme si il fallait qu'à chaque fois, je regarde. Mais finalement, avec la façon qu'Adrienne a faite de mettre un marqueur puis de savoir, tu sais, vu que le pattern était toujours sur 4, c'était toujours, mettons, knit, purl, knit, ben je savais que si entre les deux marqueurs, j'avais deux... Ben, je savais que j'étais rendu où, fait que j'avais pas besoin de regarder. C'était juste les petits débuts puis la fin que tu dis, OK, je commence par un purl ou un knit. Puis c'est vrai qu'une fois que le motif est construit, dans les débuts, tu le comprends pas, là, mais une fois que tu le vois que, mettons, dans le centre, c'est toujours des knits, puis qu'ici, mettons, dans le centre, ça va être toujours des purls. Fait que, tu sais, si tu fais le mauvais, tu vas le voir que t'es décalé. Mais au début, tu le vois pas. Non, c'est ça. Fait que, puis aussi, tu peux te contre-vérifier comme toi, tu faisais quand tu arrives à ton marqueur puis que tu es supposé avoir un purl puis c'était un hit. Là, tu sais que tu as fait une erreur. Là, tu le regardes, on détricote puis on recommence. Mais c'est pas arrivé si souvent. Tu as quand même été bon. Mais c'est arrivé. C'est arrivé une fois puis c'était parce que j'avais pas mis le marqueur à bonne place. Fait que c'était de ma faute. Ouais. Mais j'aurais dû. Mais on répète, là, le patron, c'est pas pour débutants. Il est pas si bien écrit. Ouais. Pour le prix. C'est un peu plate. On va être honnête, là. C'est pas. L'honnêteté a été dit. Faut que tu saches comprendre, interpréter entre les lignes. Lire entre les lignes. Je me serais découragé. Ouais. Si j'avais été tout seul, je l'aurais pas fait. Mais t'aurais peut-être pas commencé. Je sais pas. Ça va pas. Puis là, mais moi, j'ai commencé. J'avais le goût de commencer un nouveau projet qui est pas un design puis qui est pas juste du tricoter à l'endroit. Fait que j'ai commencé le. Je ne me souviens plus du nom. Summer Noss. Summer. Mais là, on a presque plus d'encre dans l'imprimante à clinique, on le voit. Fait que summer comme avec un O. J'allais dire comme été, mais non. Summer Kiss. Puis noce comme je sais pas quoi. Summer noce. Parce que c'est ça, il y a une version. Le patron est aussi juste noce pour avec manche longue. Fait que là, ça, c'est sa version summer. Je sais pas si on le voit mieux. On voit pas. En tout cas, c'est un patron. On voit là-dessus? On voit pas bien, hein. C'est des motifs tout le long. J'avais le goût de faire ça. Puis j'avais de la laine. Ça fait longtemps que j'avais une quantité chandail. Ben, même je vais en avoir trop, là. De la laine de... Tu
peux la montrer proche. Quand même, je la montre de proche. C'est la poule, Madame Dinde. C'est de la laine de Woolseeker, qui teint encore, mais je pense qu'elle c'est plus... elle fonctionne par Etsy, et qu'on peut la trouver, mais elle fait plus des updates. Là. C'est, je pense que c'est pas des... En tout cas, elle est encore présente sur Etsy. Là. Cette base-là, je pense pas qu'elle existe, mais c'est sa base Root, qui était 70% fine organic merino, puis 30% chanvre. Puis c'est une grosseur sport, avec couleur anémone de mer. Fait que The Wool Seeker. The Wool Seeker. Puis le reste, je vous l'ai nommé. Les chercheurs pis, de la... C'est ça, j'avais acheté ça fait peut-être 2 ou 3 ans. 2 ans. Puis vu que c'est une grosseur sport, je me disais... Puis c'est une laine d'été, je savais pas trop quoi faire avec. Puis là, ben j'ai trouvé ce patron-là. Dans le fond, le patron est fait, je pense qu'elle utilise comme une lace puis une fingering. Fait que ça fait le même échantillon. Et moi, j'avais pas le goût de doubler, là. Ou de mettre du mohair. J'aime pas ça, le mohair, je vous l'ai déjà dit. Fait que je cherche le projet. Ah, ben il est là. J'ai commencé, on voit pas grand-chose. C'est sur des petites aiguilles. Je suis due pour augmenter ma grosseur de câble, là. Fait que à date, il y a peut-être juste un petit... Des pearls. Tu sais, dans le fond, il y a comme une section stockinette, section pearl. Puis là, j'ai fait des petites côtes. La prochaine section, ça va être des eyelets, des petits trous. Puis je pense que ça va être à peu près ça. Tu sais, on répète côtes, trous. Fait que ça rythme le tricot. J'avais le goût de ça pour quand j'ai pas juste envie de... Tu sais, quand j'écoute... Mettons, de ce temps-ci, on écoute des films puis tout. Fait que je prends pas ça. Mais si je... d'écouter un podcast ou quelque chose que j'ai moins à regarder, ben ça va être mon genre de projet. Que j'avais besoin d'utiliser un peu mon cerveau plus là, de ce temps-ci, parce que je trouve sinon que ça me motive moins des fois. Ouais. Puis dernier? Ouais. Rien. Je te regarde non. À chaque fois, mais là, ben, je comprends. Mon col tapis roulant. Oui. Veux-tu montrer le principe de tapis roulant? Je l'ai avancé, là. Fait que là, ça, c'est un col. principe tapis roulant. Il y en a qui ont bien compris notre... Je sais pas où tu en es rendu avec le tapis roulant, mais ben, c'est d'abord, le tapis roulé. D'abord ça, c'est bien réussi ouais, le motif ouais, pour faire un panier. Il y a quand même de la 3D et tout, j'aime ça. Oui, il y a l'air d'un panier. C'est ouais. Bien réussi, tous les motifs. Fait que là, tu le plierais à partir de où? Ben, peu importe. Dans le fond, on a compris que c'est un tapis roulant. Fait que si, mettons qu'on le plie en deux, vas-y. Juste pour doubler le truc, ben là, mettons, là, il n'est pas, pas fini, là. Mais on pourrait soit le mettre... Comme ça, on pourrait soit tirer, puis que, ben là, il est pas assez long. Il tirerait, c'est ça. Il roulerait, là, comme... On pourrait le mettre comme ça. C'est ça. Le mettre juste... Juste tout le panier. Comme ça. Comme tu veux. Puis là, ben, dans le fond, j'ai ce motif-là. Je vais en faire encore un petit peu. Et je vais sûrement remettre une ligne ou deux de juste ligne. Puis j'ai un autre motif qui va être encore, qui va être sûrement, ça va être noir, ça va être bleu, non, ça va être rose puis beige. Fait que comme ça, il va y avoir 3 motifs différents, mais avec des lignes en chaque, fait qu'on va pouvoir le mettre un peu comme on veut. Ouais. Mais là, je pense que comme ça, on comprend un peu plus le côté tapis roulant. Ouais, ça ouais. Je ferais de l'exercice avec ça. Ouais. Fait que comme ça, là, mettons. Ouais. Ouais. Fait qu'il reste le tiers, peut-être, à tricoter. Ouais. Fait que bientôt, il va être en test. Quand je vais me décider à le finir. C'est pas le premier que je prends. Je l'aime bien, hein, mais... Je sais pas, peut-être parce qu'il est dans un panier. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le premier projet que je vais prendre quand je suis assis pour tricoter. Faudrait que je me motive à le finir. C'est parce qu'il est dans un panier? C'est pas, ça traîne pas aussi. Tu sais, je peux pas le tricoter. Ben, c'est aussi du jacquard, fait que tu sais, je peux pas le tricoter. Ouais, c'est moins facile un peu. C'est vrai, j'ai oublié que c'est ce panier-là. Dans le fond, l'autre motif va ressembler un peu à ça, là. Fait que, dans le fond, il va être un peu comme le quadrille que j'ai fait, mais je vais décaler un peu plus. Bref, vous allez comprendre quel je vais être rendu là. J'ai si chaud. Une dernière chose que je voulais parler avant qu'on pogne des coups. C'est sûr, j'ai des coups de soleil. Mais là. Il faut pas. Si, mettons, là, vous voulez être dehors, là. Assoyez-vous pas avec la face directe dans le soleil comme ça, à jeun. Ouais, faites pas comme nous. Habillé en noir. On est des professionnels. Puis avec de la laine juste avant. Puis un café, faites le pain. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Faites tout pas ça. Dernière chose que je voulais parler, ben c'est... Je suis allée... Non. J'avais... OK. Bon, on va y aller en ordre, là.
J'ai acheté des chandelles de Amélie Robitaille, qui a le podcast Le Petit Mouton Noir et Cléo. Sa compagnie de chandelles, c'est-tu juste son nom? Amélie Robitaille, c'est écrit dessus. Ben, ça doit être juste son nom. Je me souviens plus. Sinon, de toute façon, je vais mettre le lien en bas. C'est ouais, une Amélie Robitaille. Okay. Fait que là, j'ai comme trois saveurs. En fait, Amélie est de Québec. Chalet rustique, t'as peu. Okay. Tu les montres toutes? Ben, je veux leur faire sentir. OK. Ça, ça sent le chalet, chalet de rustique. Bois. Si vous avez besoin de le ressentir, vous reculerez. Ça sent bon. Hein? C'est comme un scratch and sniff. Ça, c'est forêt boréale. Forêt. Franchement, je pense que l'odeur est là, à peu près, là. Ah, dans l'écran, là. Oui, c'est ça. Sentir. Oui, c'est ça, on la sent bien, celle-là. C'est des chandelles faites avec. Soya et coconut. Moi, des cacus. Le wax, là. Ah, c'est écrit en français en haut. Chandelle à la cire de soya et de noix de coco. Ouais. Feu de camp, celle-là aussi, là. C'est ça. Fait que, ouais, Amélie Robitaille, celle que le podcast que j'ai dit tantôt, elle reste à Québec aussi. Puis, j'y avais déjà acheté des chandelles dans le temps des fêtes. Puis là, quand elle avait sorti des nouvelles saveurs, des nouvelles odeurs, j'y avais écrit, je pense que c'était en avril. Je me suis dit, j'y avais écrit si tu viens au festival qu'on est allé, là. Festival. À Campton. Le grand salon Vitalène en folie. Non, pas à Campton, le salon où j'avais un kiosque. Ouais. J'avais dit, ben, tu me les amèneras, mais elle venait pas. Fait que là, j'ai dit, peux-tu me mettre de côté, puis un moment donné, je vais venir les chercher. Fait qu'on était en avril. Puis là, avant hier, j'ai eu un flash, je me dis, crème, j'ai jamais allé chercher mes chandelles. J'ai écrit, puis là, j'ai dit, j'ai besoin d'aller chez. Ben, j'ai besoin. J'allais chez Cœur de Maille, j'allais me créer des besoins samedi, hier, puis j'ai dit, peux-tu passer chercher mes chandelles? Fait que là, je suis allée hier. Bref, c'est une longue histoire pour rien, mais j'ai mes chandelles que je vais pouvoir emmener à la clinique, puis ça va sentir bon. Puis ils sentent vraiment bon. Puis avec le petit truc en bois, ça fait aussi des petits crépitements. Là, il faut faire attention en arrière, c'est écrit, c'est clair, là. Fait que le logo du milieu, ça dit, si vous le voyez bien, ça dit. Le voyez-vous? Il y a un logo dans le milieu. Faut pas que les enfants dansent alentour de la chandelle. Ça pourrait l'éteindre. Puis ça aussi, pourrait l'éteindre. Celle-là ici, là, il y en a un plus à l'extrémité. Faut faire attention aussi. Faut pas se cacher dans le noir pour faire un saut à la chandelle. OK? Juste ici, là, on le voit, là. À droite, il y a une chandelle, elle est là. Puis il y a quelqu'un dans le noir dans le cadre de porte, là. Pas de saut à la chandelle, parce que même à faire, après faire... Puis genre comme... Tu sais, faut faire attention. L'autre, je le comprends pas trop, là. Mais ça doit être écrit. Mais tu t'es vois, là. Je suis pas fou, là. Pas faire de ça à la chandelle, ouais. Puis il n'y a pas d'enfant qui danse à l'entour. Puis l'autre à côté, je sais pas. Faut pas. Pense que. Je veux-tu que je te dise c'est quoi ça veut dire pour vrai, mettons? Lui de gauche. Faut pas allumer un cinéma maison à côté de la chandelle. Je pense que. C'est ça. Faut pas que le feu soit proche des rideaux de poêle. Des rideaux de poêle? Avoid draft. Ouais, c'est ça. Puis je pense que celui du milieu, c'est tu laisses pas une chandelle sans surveillance. Non, puis ça dit les enfants. Fais attention avec les enfants. Parce que les enfants. L'autre, c'est sans surveillance, la porte. C'est ça, c'est ça. Ouais. Mais ouais, j'aime mieux tes interprétations. Ben, regarde. C'est-tu une bonne idée de faire un saut à du feu? Non. Sûrement pas, ça brûle. Ouais. Tu sais. Puis les enfants qui dansent alentour, ils pourraient virer sataniste ou quelque chose comme ça. Faire attention. Non, ça dépend du sens qui tourne. Oui, il y a un sens. Je sais pas. Sûrement. Moi, j'ai l'impression que counterclockwise, ça doit être mauvais. Satan? Oui. Non, peut-être. Reculer l'heure, là. Rien de pire que ça. Oui. Reculer l'heure. Oui, fait que c'est ça. C'est tout pour le tricot, je pense. Hein? Ben, sinon, il n'y a rien qui se passe. Hein? Ben non, à part la cage à poules bientôt. Non, c'est ça. On a-tu... Dans le monde, hein, les nouvelles du monde. Ce qui se passe en Afrique. En Afrique, bien, je sais pas. Il fait chaud. Il fait chaud pis c'est sec. Il y a ça. Les gens sont en vacances. Les gens sont en vacances. On a un bel été, hein? Trump s'est fait tirer dans l'oreille. Ouais. Il y a ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. Je ris, mais c'est pas drôle. C'est pas parce que je trouve ça. Puis, c'est tout. Sinon, il y a... Dans nos vies, nous, non plus. Nouvelles du monde, là. On a construit. Ça a été une grosse partie de notre... Ouais. Notre tête qui réfléchit sur les constructions. Ouais. Le jardin va bien. Ouais. Et des pots mangent tout pas mal. Ouais. Je le laisse aller. Si je pense à la première, ben,
tu sais, on dirait que moins je m'en occupe, mieux il va. Ouais. Premières années, j'étais full, genre, je mets tout ce qu'il faut, l'engrais autant de temps, puis je m'assieds, tu sais, je prenais la température de l'humidité, puis tout, là. Ben, à date, je pense que j'ai arrosé 3 fois, là. Il pleut juste assez intercalé une fois de temps en temps pour que j'aille pas nécessairement à arroser. Puis c'est un jardin en pleine terre, fait que ça sèche moins vite. Ouais. Puis cette année, ben, on est beaucoup sur les légumes racines, puis ça pousse facile. Ouais. Les patates. C'est dans notre climat, on est mieux avec ces genres de légumes-là. Ouais. Fait que on va m'amener à avoir des récoltes. Les chats, les chats vont moins bien de ce temps-ci. Update de chat. On a une petite guime, la vieille madame, elle s'est faite un peu mal à une patte. Ah ouais, fait que là, elle boite. À boîte. À boîte. Je voulais pas dire boîte parce que ça sonnait con. C'est vrai, mais boîte. Elle a une boîterie. C'est ça. Ouais. Petite patte arrière, là. Elle s'est fait une petite entorse de patte. De chat. En essayant de monter quelque part, puis elle n'a pas réussi. Puis il y a un peu de vomi. Il a vomi pas mal, mais là aujourd'hui ça va bien, puis hier aussi. Mais il mange pas. Pas grave. Oui, mais inquiète. On le monitore, là. Il va être correct, mais. Ils vont un peu moins bien. Ouais. Ils sont corrects. Ah ouais. Ah non, sinon toute la vie va bien, puis. L'été passe vite. Rien, L'été passe vite quand même. Oh, on est presque à la fin du mois de juillet. Comme... C'est tout le temps de même. À chaque année, c'est pareil. T'as hâte que l'été arrive, puis l'été arrive, puis là, ben, tu fais des affaires, puis l'été s'en va. C'est pas long, notre été, au Québec. L'hiver revient, puis il te fait chier pendant... Mais il y a Noël. Hein? Tu m'as lancé la bibitte? Je te l'ai pas lancé, elle a sauté. La voiture? Une espèce de cigare, ou c'est quoi cette affaire-là? Ça fait plusieurs fois que je te vois. Elle saute, hein, ouais. Elle a l'air d'une genre de... Elle est partie. Elle est partie. Elle a sauté vraiment haut. Oui. As-tu déjà vu comment c'était fait, ça, les pattes? C'est vraiment intéressant. Des sauterelles? Tu sais, parce que ça va un peu, on va dire, contre la physique, là, qu'une sauterelle soit capable de sauter aussi haut, là. C'est à cause qu'ils sont inversés, genre? Non, c'est parce que c'est vraiment fucké. C'est vraiment comme si c'était des machines. Tu sais, les je pense que tu m'as déjà montré, mais... Les insectes, ça a des exosquelettes, là. Ouais. Fait que les squelettes sont dehors, puis tu sais, quand ils meurent, ils sont rendus tout secs, puis tout le squelette est encore là, comme les ours, si on veut. Là. Mais les sauterelles... Comme les ours? Comme les os. OK. Les pattes de sauterelle, ils viennent comme se crinquer. Ils font comme se crinquer, puis il y a carrément quelque chose qui se baisse, puis qui tient à patte. Oh. Puis là, s'ils veulent sauter, ça clippe. Ça déclippe, puis poing, ils partent à sauter. Mais c'est pour ça qu'ils sautent mal. C'est comme que, tu sais, mettons, on faisait sauter les petites grenouilles, là, le jeu des petites grenouilles à faire sauter, ouais, ça allait n'importe où. C'est le même principe, okay. Parce que les pattes, ils clipsent. Alors ça déclipse, puis ils partent, ils contrôlent pas. Tu sais, leurs jambes ne peuvent pas faire ça de même. C'est comme les jambes sont comme ça. Fait que là, à un moment donné, c'est comme on ou off, genre, il puis là, mettons saute. Que, ouais, il mettons que... Il arrive, comme, paf, puis là, il saute, ouais. Mais là, ça reclippe, puis paf. Il va un bord. Ils vont n'importe où, ouais. Ah, ouais? Ouais. Ah, je me souviens pas. C'est vraiment cool. Vous checkerez ça sur Internet. C'est juste les sauterelles? Oh, j'ai pas, je sais pas. Ça doit être toute la famille des petites affaires de même qui sautent, Des affaires sautantes. Parce que c'est ça, tu sais, mais le mystère, c'était pourquoi ils sautent tout croche? Tu sais, ils sont pas capables de viser où est-ce qu'ils sautent. C'est ça. Mais vous regarderez la vidéo sur Internet, tu peux voir le mécanisme là, de quand que ça ferme, quand que la patte elle monte. Puis là, il y a vraiment. C'est vraiment bizarre. C'est pour ça que je dis une machine. Ça a l'air d'une machine. Tu sais. Ouais. C'est vraiment weird. Fait que c'est ça. Oh, brève information. Les intrépides? Non. Les intrépides à court, on est toujours présents. Voyons, maudit. Les débrouillards. T'es les pirates, mais ouais, t'es débrouillards. On apprend des affaires. Bon, on s'en va. Fait qu'on va aller manger, puis on va aller se sécher, hein, parce qu'on est dégueulasse. Se sécher? On va mettre un petit ventilateur. Il fait si chaud, puis là, j'ai les cheveux. Je suis sorti ça matin. C'est chaud avec mes cheveux. Ah, c'est épouvantable. Mais c'est ça, allez voir là, le podcast d'Amélie Robitaille, puis allez acheter des chandelles. Puis, mais avant d'y acheter des chandelles, achetez le patron pass-up, pass-down, toutes ces affaires-là. Passe partout. Pour qu'on envoie de l'argent, plus d'argent au petit minou. Puis, puis après ça, vous achèterez des chandelles pour noyer votre peine de toutes les dépenses que vous avez faites. Vous allez pouvoir les sentir comme ça. Puis y faire un saut peut-être, pour le plaisir. C'est bon? Oui, je pense que oui. Bye. C'est dingue, hein? Dingue. Dingue de la poule. Dingue de la poule. Dingue de la poule. Bye.